tout de suite, partie d'assaut, le Graal, le match que tout le monde attend. C'est la finale de la Ligue des Champions. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Des supporters de deux équipes qui chantent depuis plusieurs jours, mais aussi une grande tension, une grande appréhension avant le début du match. Le club qui débute donc côté Real Madrid, titulaire donc de cette équipe, Antonio Rudiger avec Alaba, c'est déjà bien plus de réglé par Jekyllinga dans le milieu, et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. L'intervention de l'arbitre pour signaler une position dehors. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. Depuis qu'ils ont débuté leur carrière.
la coupe au grand soleil. C'est la culmination d'une vie pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je ne l'ai jamais joué et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité. Et voilà, ils soulèvent la Ligue des Champions. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur des cœurs. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes des joies parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des célébrations.